Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous, on a laissé sous télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour notre numéro mise au point. 14 d'août 2021, 14 d'août 2022, yon l'année. Nous songeons ça qui est passé dans le grand sud du pays. Théâtre est tremblé vers 8h29, 8h30 le matin, c'est un samedi. Et magnitude là, c'était 7.2 sous échelle Richter. 800 000 personnes étaient touchées. Nous parlons de plus de 2 000 personnes qui ont perdu la vie. Département Sud, département NIP, département Grand'Anse, l'école, l'hôpital. En plus, l'infrastructure était affectée. Et il faut que nous soulignions, le département ça n'a pas trop sorti. Hein, puis bien passé ça après le passage au Grand Mathieu. Et puis là, il y a eu un tremblement de terre qui frappait fort. Et il y a plus de monde qui te dit c'est abcès sous clou. Là, nous connaissons déjà, nous sommes un pays très vulnérable. Et malheureusement, nous pas toujours prendre bonne mesure, bonne disposition pour les bagages à arriver, pour nous faire face à Kyo. Yon l'année après, côté nous y est, parce que le travail de recherche qu'il y est à ce qui est passé à continuer, qui ça nous doit retenir de ce qui est passé dans le grand sud du pays à 14 d'août 2021, qui sa perspective est capable, surtout le dernier jour, ça nous est théâtre tremblé assez souvent, pas seulement dans Port-au-Prince, mais dans pile région de PA, surtout dans le Grand Sud là. Est-ce que je vous dis à nous piper hein, par rapport à l'agence à terre l'année passée, nous songeons ça qui est passé le 12 janvier 2010. C'est tout ça qui fait essentiel. Émission jeudi, bat bouche nous matin, avec une personnalité bien indiquée, une responsable programme et master géosciences dans la faculté des sciences, Université l'État pays d'Haïti, docteur en géosciences. Docteur Steve Smith, qui est avec nous le matin pour nous faire échanger ça, yon l'année après passage, tremblement de terre, 14 d'août 2021. Docteur Smith, merci en pile parce qu'on est disponible pour TNH matin. Bonjour téléspectateurs, bonjour Serginho. Ben, c'est toujours un plaisir pour moi pour me venir sur le plateau ensemble avec vous, pour nous faire une petite bouche sur causer recherche qui a fait dans la question tremblement de terre et puis pour nous parler des gros problèmes ça qui a pas. Qui sont épées d'Amoclès sous tête population et pays d'Haïti. Très certainement, parce que vous avez l'impression que chaque fois le théâtre même nous songeait à vivre son tête tremblée, et ça qu'on fait, il y a des négligences, des précautions pas prendre, mais l'esprit n'est pas toujours paré pour n'importe qui le théâtre tremblé et le café et tout dégât nous songeait le faire en 2010, en 2021, et parce que nous manquons paré. Une année après, comment ça y est, docteur Smith? Bon, yon l'année après, réplique yon nous a dit yon a continué. Gen, toujours gen quelques petits. Alors, en tout cas, moun ki nan grand sud yon toujours senti te a secoué en papier beaucoup plus que l'autre moun nan l'autre zone yon. Donc, dans l'introduction, l'on te a bien rappelé li que te a tremblé un peu partout sur le territoire. Là. Et c'est normal parce que c'est ça veut dire que nous avons vivre dans une zone qui est active sismiquement. Ça veut dire de temps en temps, n'a pas gagné pour une sortie théâtre secoué. Donc, en vantant l'an de terre dans le plan, théâtre toujours secoué sur tout territoire. Alors, même si territoire, pas seulement territoire pays d'Haïti, mais dans toute région. De temps en temps, tout le temps, il y a quelques séismes qui fait en République dominicaine. Donc, ce n'est pas seulement nous-mêmes. Donc, c'est ça, on relève sismicité de fond. OK? Donc, zone non active sismiquement. De temps en temps, doit gagner quelques petits tremblements de terre qui fait. Mais après ça, mon grand ni pire même, ou après, il y a une activité qui est beaucoup plus poussée. Ils ont senti tremblement de terre, ils ont fait beaucoup plus souvent. Yo même, eh bien, c'est parce que l'autre phénomène, le fait que tes gros tremblements de terre t'es fait dans la zone Yoa 14 août 2021, eh bien, ça a pour effet pour lui modifier l'état de contrainte dans la zone. Eh bien, toutes ces cassures qui t'es gagné dans la zone, toute l'autre faille qui t'es gagné tout près ça, eh bien, ou même, tremblement de terre, ça peut avoir un effet sur eux. Eh bien, il y a un effet, eh bien, c'est que de temps en temps, il y a des petits tremblements de terre plus fréquemment. Alors, ça veut dire activité sismique très intense, dernier jour, ça, dans le pays. Bon, nous ne pas dire très intense, mais yo, significatif. Ça veut dire qui ça? Est-ce que ça t'a qu'à présager un plus gros secousse dans le jour qui vient? Non, pas forcément, mais ça, c'est un bon bagage, dans le sens que il rappelle nous pour nous toujours être alerté sur ce qui est sur le terrain. Donc, c'est très bon pour de temps en temps nous faire un petit bat de bouche pour nous parler des causes à dans les mondes pour songer ça. Mais l'heure que il y a une petite secousse à tout, ça fait mon yo être en alerte. Ça dit mon yo que attention, pas la guécore parce que on va vivre dans une zone qui est active sismiquement. Eh bien, de temps en temps, il faut réfléchir pour penser avec un petit geste qui est capable de sauver la vie.
Alors, il y a l'année après, vous souhaitez souligner le docteur Simit, était à trembler assez souvent, mais nous plus remarqué dans la zone sud là, depuis après 2021, on va t'as dit que son mari qui déclenchait de temps en temps une secousse. Non, mais c'est justement, c'est exactement ça que je explique là, c'est que lui-même, dans la zone ça, il y a un gros terreur de terre là, mais terreur de terre là, il fait sous deux segments de failles que nous connaissons très bien, que nous arrivons à identifier à partir de recherches nous, mais après ça, il y a l'autre faille dans la zone. Mais l'autre faille, ça, il a subi les conséquences que le gouvernement de terre a été fait. Il a changé les contraintes qui, aux alentours de faille, ça, et bien ça fait que faille, ça, il y a là-dedans, c'est pas tout, il y a là-dedans qui vient une tendance glisser, ça veut dire bah, produire le terre beaucoup plus souvent. Donc c'est ça, nous, on va persister là. C'est ça fait de temps en temps, où est-ce qu'on sursaut, ou bien on regain d'activité, mais généralement, activité, hein, c'est adéquat, l'adéquat pour arriver dans le niveau qu'elle était avant, qui c'est niveau bruit de fond. Bon, Mado, est-ce qu'il y a l'année après 4 jours de secousse qui lié à un tremblement de terre qui est passé? Justement, c'est ça nous avons assisté là. Jusqu'à qui la secousse a fini? L'idépend, c'est pour un bagage qui au 40 jusqu'à calculer des têtes tout bien rapide comme ça. L'idépend de zone, non, l'idépend de type de faillot. Donc, c'est ça qui fait qu'il faut que nous avons plus de données. Pas oublier, et tout ça nous connaît, c'est par rapport à l'observation, non? Tout ça la science connaît, c'est observation, c'est données. Donc, nous n'avons pas trop longtemps nous-mêmes, depuis nous avons pris des données sismiques dans le pays. C'est à partir de 2010 nous commençons à mettre, installer des réseaux qui n'ont pas trop bien fonctionné. Donc, d'ici 2019, jusqu'à nos jours, nous avons un réseau moins qui a fonctionné. Donc, ça permet de nous collecter un pile de données. Et bien, ces données, ça va permettre nous identifier caractéristiques failles qui gagnent en Haïti. Et ça va permettre nous, plus ou moins, gagner une connaissance de durée que période de réplique capable de gagner à l'avenir. Mais pour l'instant, là, c'est suivre pour nous apprendre qu'on est et caractéristiques ça. Mais la science permet. Mais ça peut arriver que réplique gagne des zones dans des autres zones côté réplique durer 2 ans 3 ans mais ou bien tout côté c'est quelques mois. La science permet une période fixe pour réplique après tremblement de terre fin passé? Non, pas une période fixe, les variables, les variés de caractéristiques zone de tectonique, de mode tectonique zone, etc. Il dépend tout du gros cette on a détecté passé là. OK, donc on paquet de paramètres qui rentrent en jeu qui fait que on pas carané juste font calcul simple comme ça. Est-ce que après le 14 août 2021 docteur Simit nous arriver identifier de l'autre faille dans la région ça particulièrement? Donc, en fait, focus nous après le 2021, c'est pas pour pouvoir chercher de l'autre faille, c'était chercher qui faille les failles sources là. Donc, c'est-à-dire des failles qui produisent le tremblement de terre à lui-même. Donc, dans ce sens, il y a différentes publications qui sont faites. Nous avons une publication qui est faite dans un gros magazine, c'est-à-dire un gros journal scientifique international qui est les Science. Et bien, dans le travail, ça, nous avons utilisé données qui viennent d'un paquet de sismomètres que nous installons sur le pays. Hein? OK, si ce sont ça et donné ça et montrer nous que eh bien il y a deux segments, ça veut dire deux morceaux failles qui jouent qui produisent un tremblement de terre là. Il y a une qui plus près l'asile un petit peu au sud de l'asile et puis il y a l'autre lui-même qui c'est en section de une faille que nous te connais déjà qui relait faille la ravine du sud. OK, il y a des différents pendages, c'est qui ça c'est façon que plein de failles ça yo orienté en bas terre. Donc, pour segment qui tout près l'asile, là, lui-même, il y a un pendage qui est plus plat, il est plus incliné, tandis que pour segment qui correspond avec un faille, la ravine du sud, là, lui-même, il y a un pendage qui est beaucoup plus raide. Donc, il dit, il y a un plan qui est presque orienté à 80 degrés. Pas 90 degrés, mais autour de 80 degrés. Deux failles qui baillent ça, que ça me dégaine. C'est deux segments de failles. Deux segments de failles. Ouais. Parce que faille, c'est une cassure dans l'écosse terrestre. Là. Donc, cassure ça, il n'est pas obligé de faire tout d'un coup. Il doit faire différents segments. Okay? Donc, mais chaque segment, ça, c'est un segment. Mais c'est des failles que nous avons identifiées bien avant, et ce coup, c'est 14 d'août. Oui, oui.
Donc c'est Il dit fait là de faille qui était banou 12 janvier 2010 là que peut-être nous pouvons identifier. Exactement, exactement. C'est si grande différence dans deux événements ça c'est une là-dedans c'est que faille qui était produite en 2010 là, qui c'est faille Léogane lui-même, c'est un faille que nous c'est un segment que nous pas connaît du tout. Mm-hmm. Donc il n'est pas paré en surface pour jusqu'où il y a. Donc ça dit pas grand-quin façon pour nous être capable très rapidement suspect et segment de faille ça, mais pour faille pour ça qui fait pendant 14 août 2021, lui-même, c'est que Mad Faisao, c'est nous te connaît. En tout cas, tu es là, et Dr. Simit, par rapport avec ça, la science, sa observation, nous, sa recherche, nous, bon, nous. Après 14 août 2021, tu as des gens dans le bureau des mines et de l'énergie qui t'a fait comprendre que tu as identifié des failles qui t'ont passé dans la mer, surtout au niveau grandance, parce que, en plus, fois, à chaque fois que tu parles de risque de tsunami, tu as surtout fait allusion à Cap Haïtien. À tremblement de terre qui a produit pour le Grand Nord, mais pas forcément pour le Grand Sud. Mais après 14 août 2021, t'as semblé, recherche montrer que il y a une faille qui passait dans l'enmet tout et s'attaque à la cause tsunami, surtout pour une grande danse. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Non, ça, c'est pas une nouveauté. Faille qui passait dans l'enmet qui au nord de grande danse, et puis il y a l'autre faille qui passait plus près du golfe de la Gonave, c'est des accident géologique qui est connu, qui était étudié déjà. Ok, mais maintenant, capacité pour faire ça ou même produire des tsunamis, ça, c'est pas un bagage qui. Il va évident. Il va évident. Si il y a des tremblements de terre qui fait sous faire ça, il faut que les gens qui vivent près de côté, faut qu'ils soient actifs. Mais normalement, en tout cas, pour moi-même, je pense que faire qui passe dans nos pays, hein, qui passe dans la mer, c'est eux-mêmes qui plus sismogéniques, c'est eux-mêmes qui plus gain capacité pour provoquer de tsunami. Après 2021, tu as gain de l'eau envahie un peu monde qui sous côte là au niveau grandance, tu as gain des voies qui a pleuvé pour demander ça qui a passé comme ça. Nous t'ai fait suivi. Gain des cas par exemple côté île Caïmite, côté Mounio, et bien il y aurait été ouais de l'eau qui a monté sous île, mais ce n'est pas tout le qui est fait de façon instantanée pendant le tremblement de terre. Donc ça veut dire pas qu'à lier à effet direct tremblement de terre. Donc ça veut dire que ce n'est pas une faille qui joue, qui fait que de l'eau monte sous île comme ça. C'est une loi, l'autre phénomène. Mais maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui ont fait recherche, qui intéressés avec ce sujet ça, qui pour aller fouiller. Mais nous-mêmes, dans le cadre de recherche, nous plus été sous étude tremblement de terre. Donc ça veut dire nous pas investiguer on va faire comme ça. Mais maintenant, bah qu'on est au niveau bureau des mines qui m'a changé, t'es gagné une équipe qui a été voyée sous place. Bah trop au courant de qui diagnostic qui a été fait, mais gain paquet explication capable bah pour ça. Ça qui arrive que ces zones qui a déformé. Mais maintenant, s'il a déformé, ce n'est pas seulement l'île Caïmite qui peut avoir une déformation. Donc, toutes les zones qui en face, là, on a parlé de Pestel, etc., il faut que tu es capable de voir manifestation, déformation. Ça. Donc, c'est nous qui avons les moyens pour nous étudier les choses. Mais après ça, nous avons juste traité, nous dit c'est un bagage mystérieux ou bien c'est un tremblement de terre qui fait ça. Non, ce n'est pas facile comme ça. Il faut qu'il y ait des données qui permettent de nous. Faire conclusion ça. Mais là, on parle avec mon dans zone, on dit parce qu'on habitué ouais, observe un phénomène comme ça. Ah. C'est après 14 août 2021, ben ça arrivé. Oui, il arrivé après 14 août 2021, mais qu'il est arrivé 15 août, 16 août, 17 août. Est-ce que il y a un tremblement de terre? C'est pas en question ou capable de répondre comme ça. C'est pas parce que tu as un tremblement de terre qui fait que eh bien tremblement de terre c'est le même qui cause et ça. Et si il cause dit qui ça qui fait l'icosie? Est-ce que c'est des déformations qui a continué à faire dans le coup de terrestre là? C'est des données qui vous montrent ça. Pour l'instant, nous-mêmes, nous ne pouvons pas pencher sur ce sujet-là. Parfait. Alors, un téléspectateur dans ce cas sur vous qui dit, dans tout ce que ça senti là, est-ce que par de nouveaux séismes qui produisent, c'est toujours réplique seulement? De nouveaux séismes. En fait, réplique là, c'est séisme lié. Réplique là, c'est des petits tremblements de terre. Donc, oui, c'est des petits tremblements de terre. Mais c'est nouveau. En fait, c'est non. Il y aurait les répliques, sont tremblements de terre. Maintenant,
yo pas dit son terme dans le terre et parce que magnitude ça li plus petit que plus gros terme dans le terre qui fait là. Donc c'est ça que on va distinguer choc principal, aftershock, alors et puis on même parler de foreshock tout. Foreshock là c'est un tremblement, c'est un petit tremblement de terre qui fait avant gros tremblement de terre. Donc par exemple dans cas séismique là dans mois de mars, nous avons gagné un foreshock. C'est-à-dire un petit tremblement de terre qui fait dans la même zone là. OK, côté gros après le fait là et puis lui-même qui était de magnitude petit. Dans l'évin gain gros après fait là, nous relé un choc principal mais après mais tout c'est des petits tremblements de terre. Est-ce et puis après ça, après mais en tout cas pour fort choc yo, c'est pas toujours souvent que gagne des petits tremblements de terre qui fait avant gros tremblement de terre, mais pour répliquer eux même ça des tremblements de terre qu'elle fait après choc principal yo, nous connaissons c'est sûr que après gros tremblement de terre, après choc principal là, a toujours gagné une quantité de réplique. Mamadou, est-ce que réplique généralement il doit lié à faille qui te produit tremblement de terre majeur là? Oui, oui. Oui, c'est ça où les répliques là. Okay. Mais après ça, gagne des lots de quelque part parler de ça. C'est des séismes induits. Donc si il fait sur un lot faille lui-même qui dans zone là, qui tout près, parce que j'aime te dire, état de contrainte auprès de faille ça va changer. Eh bien, faille ça lui-même est capable de venir bailler plus tonnerre de terre. Tremblement de terre plus rapide qu'on y a lui-même. Eh bien, ça c'est plus un séisme induit que on réplique. Mais réplique là, c'est exactement dans zone de faille qui rompt qui cause tremblement de terre. Donc séisme induit, on dit qui ça pour monde qui pas initié. Séisme induit soit séisme qui découlé de effet tremblement de terre là, mais qui pas directement fait sous faille qui produit tremblement de terre. Alors magnitude là c'était 7.2. Oui. Nous considérons ça comme un tremblement de terre majeur. Il y a la limite en tremblement de terre majeur, mais pour un pile dans sismologie, un tremblement de terre majeur, c'est à partir de 7.5. Mais le déduit est 40 secondes, c'est quand même beaucoup. Non, 40 secondes, c'est... Par rapport avec un pays comme Haïti qui est très vulnérable, côté nous pas forcément construit en fonction de risque sismique. Oui, bon, c'est vrai, Haïti. Haïti, n'importe qui tremblement de terre magnitude 5, apparaît un gros tremblement de terre pour nous, mais après ça, vous connaissez la science, lui-même, c'est... toute planète là la étudier donc il va dit tête nous il va dit tête que eh bien par rapport à Haïti on nous font une nomenclature spéciale non il y a ça relé un tremblement de terre majeur et puis il y a des séismes qui moins importants il y a même des séismes que classé comme micro séisme OK donc Haïti à cause de vulnérabilité n'importe qui petit tremblement de terre de magnitude 5 eh bien a causé gros panique dans pays là mais normalement pas à supposer comme ça. Pour qui ça a été considéré 12 janvier 2010 comme une tremblement de terre majeure, même s'il bat 7.5. À cause de Pertio. Enfin. À cause de Pertio. Parce que pendant séisme, son séisme magnitude 7, eh bien, on a parlé de centaines de milliers de monde qui mourent. Bah, ça a parlé, son séisme exceptionnel. Li. OK? L'on comparé, l'on regardé la quantité d'égal qui est faite. Ça a son bagage aberrant. Dans pas oublier dans même année Chili pral pour un tremblement de terre de magnitude 8 lui-même et puis a gagné moins que 1/40 de dégâts qui fait au Chili. OK, donc ça dit pour dire que bagaille Haïti a son bagaille tout à fait spécial nous-mêmes nous non niveau qui est de vulnérabilité qui quitte monde d'ailleurs. Parfait. Alors, il y a l'année après, nous allons sur le terrain plusieurs fois, nous essayons de regarder ce qui est passé. Nous-mêmes, comme nous avons fait la science, ça nous a relevé comme données après 14 août 2021, concrètement. Jean-Doulan, nous arrivons à identifier les failles qui produisent dans l'intérieur, ça c'est très important. Et puis, nous continuons à prendre des données qui permettent que nous développions des modèles pour ingénieurs qui ont construit. Pour yo capable joindre des informations pour yo construire plus bien. C'est qui ça par exemple qui c'est qui ça spécialement me dit par exemple à partir de données nous capable développer ça relé un code d'aléa sismique. Code d'aléa sismique, gen code d'aléa sismique déjà pour pays hein, mais bah, ça yo daté de plus de 10 ans. Donc il est temps pour nous améliorer ça, pour nous mettre
à jour. À jour. Donc ça c'est un bon travail qui est très important et que ingénieurs locaux yo apprétend nan menou. Mais après ça, il y a des autres données que nous te prend après tant d'hôtel que nous continuer prendre d'ailleurs que yo a utiliser là, nous gagnons une publication qui en cours, on la publication qui donné ça yo, yo raffiné résultat yo, yo montré effectivement que nous pas tromper nous parce que le premier jeu de données de utiliser c'est des données que nous prend à la va vite, c'est des petits sismomètres qui étaient semi professionnels que nous utiliser pour donner ça yo, parce que c'est eux même qui étaient qui connecté à internet, donc eux-mêmes ils vont et donner tel intérêt nous bien rapide. Mais après ça, après tel intérêt là, nous sommes obligés de déplacer à l'installer des sismomètres professionnels dans la zone, plus de 12. Donc donner ça eux permet que nous raffiner les résultats, montrer effectivement que c'est deux segments de faille ça qui battent tel intérêt, parce que c'est comme ça la science fonctionne. La science ou pas, c'est pas un baguette magique pour gagner et pour dire ok, ting. Mes résultats et pour finir, non, de temps en temps, il faut gagner l'autre monde ou bien même équipe là pour aller essayer à partir de l'autre moyen, à partir de l'autre jeu de données, et chercher résultats pour confirmer que effectivement c'est ça. Donc jusqu'à présent, là, nous correct, résultat nous correct, c'est deux segments de ça qui produit dans le terrain. Quand d'aller à 6 ça, il est disponible. Quand d'aller à 6 qui dépasse eux. Tout à 14 août 2021. Non. Moi dis gain des codes d'aléa sismique qui là mais yo là depuis 10 ans. Donc c'est des bails qui fait après 2010. Mais maintenant donner ça nous gain yo travail recherche ça n'a gain yo une finalité nous c'est améliorer code d'aléa sismique bon travail fait. Ça pour qu'on fait. OK. Mais là nous finir recueillir toutes données si me comprendre. Nous pour finir normalement là nous gain quelques missions pour nous faire encore dans le sud là pour nous prend appareil que nous gagnons sous place. Mais appareil là toujours, il va continuer à prendre la retraite. Ou qu'à comprendre ça, parce que, puisque et mon yo toujours senti activité. Donc si toujours gagne activité, c'est des données, il faut que nous gagnions des appareils qui vous prennent. Alors, réseau sismique, l'a marché. Réseau sud là. Sud là, presque pas de problème du tout, parce que nous gagnons non seulement des. Appareil semi-professionnel que nous installons dans le sud là. Dernièrement, je suis installé une porte à piment, je suis installé l'autre en troisième Jérémy. Nous avons pour nous retourner pour nous installer Saint-Jean du Sud. Nous avons pour nous installer encore qui côté en l'autre Jacmel, dans le lycée Jacmel. Donc, nous jouons des mondes qui offrent nous accès pour nous héberger des petits appareils pour nous. OK, et si gen moun k ap suiv émission là, donc nous invité yo contacter nous. Moi même c'est professeur Simit, c'est dans faculté des sciences. Numéro de téléphone moi c'est 33 14 89 46. Donc yo capable texte moi sur WhatsApp ou bien voyer un email un message moi par mail pour mail moi c'est simitsteveg@gmail.com et puis côté nous capable collaborer que yo capable héberger une autre appareil ça pour nous, donc ça c'est très important. Donc côté de sud là pas un problème, mais après ça il y a des zones telles que Lagonave côté nous pas gain monde qui ban nous possibilité ça, c'est des zones qui très important dans des zones telles que en Sapitre dans plateau central zone ça c'est des zones côté nous intéressé à joindre des hébergeurs pour appareil. Mais de appareil ça a besoin d'énergie pour fonctionner. Si appareil ça a besoin d'énergie, donc ça dit pour moun qui avait hébergé là, faut qu'il capable ban nous accès à courant électrique 24 sur 24 et puis on connexion à internet tout. Mais après ça en termes de consommation d'énergie, c'est même genre avec un téléphone. OK, donc c'est comme si on connecte ton téléphone là car au gap recharge, donc c'est pas pas soucier tout courant là, donc c'est pas un bagage ni connexion internet là tout, c'est un bagage qui est assez faible, donc c'est ça que nous mettez comme contrainte pour nous qui intéressé à héberger petit appareil ça. Mais après ça son petit appareil tout petit, ton petit routeur internet, donc ou juste placer le long coin dans sous-sol là, et puis c'est tout. Depuis le connecter à courant électrique, le connecter à internet, me fin installer, et bien là vous voyez données en temps réel. Et ben non, alors chaque fois à Terre Tremblée et information ça est disponible via appareil ça. Chaque fois Terre Tremblée lui-même c'est ça le fait, et bien il secoue
et bien suivant à force ce courrier il dit il voyait information ça ben, et si nous gagne c'est comme si son oreille que nous gagne dans sous-sol là le ça donc si nous gagne apparaît ça presque sur tout territoire et bien n'importe qui côté Gontel en direct fait et bien automatiquement n'a pas capable de donner ça pour nous trianguler pour nous capable voir mais qui côté tremblement de terre ça fait. Alors là, 14 août 2021, 14 août 2022, ça fait déjà une année. Le son, vous estimez que vous apprenez suffisamment par rapport à ce qui est passé? Bon, question ça, c'est une question qui t'a plutôt doué adresser avec des collègues sociologues qui nous ont travaillé ensemble avec eux, qui ont fait recherche tout. D'ailleurs, ils sont allés sur le terrain, ils sont allés discuter avec nous pour qu'ils aient une conception que nous avons gagné de tremblement de terre. Je pensais que. Gide moun kounya ki contrairement après 2010 ki kounya commencé à accepter discuter qui commencé à accepter tendre parole tremblement de terre dans tête parce que après 2010 ou te jeune moun yo peut-être que c'est parce que dégâts ont été beaucoup plus importants et bien moun yo te refusé te ont été fermé sur eux-mêmes ils pas voulait parler de cause tremblement de terre. Donc, il y a un déni total. Mais quand il y a, il y a plus ouvert pour discuter, il y a plus ouvert pour, par exemple, héberger ces équipements. Donc, je pense que la mentalité a évolué. Maintenant, pendant que la mentalité a évolué, il faut nous imposer de savoir-vivre, pour faut nous apprendre moun yo faire des gestes qui capable de sauver la vie. Par exemple, so je me dis ça là déjà, le seulement identifier un coin dans la cour côté l'étranger de terre fait côté tout monde va courir rassembler là, ça c'est un geste qui capable sauver la vie toute une famille. Mm-hmm. Donc penser faut que nous là faut que nous faire des activités de sensibilisation pourquoi pas pour nous ta gagner pendant année une ou deux journées côté nous faire de simulation sur tout territoire pour causer tremblement de terre. Bon, c'est ça, c'est un bagage très intéressant. Ça t'a expliqué, parce que je regarde les données disponibles pour moi de juillet 2022 hein, et professeur Simit, que mon activité sismique est très répétée, on pile fois terre à trembler. Est-ce que la science a une réponse par rapport à pour que ça c'est moi ça, pour ça il n'y a pas de moi avant, pour ça il n'y a pas de ça? Si. En fait, il y a un professeur Kaler qui remet faire ça, c'est que il y a une période pour période cyclonique. OK, il est capable de commencer le mois d'avril jusqu'à juillet, on va dire comme ça. Mais cycle période sismique là lui-même, il commence 1er janvier, il finit 31 décembre. Donc c'est pendant toute année. Pas gagne un mois qui spécial, pas gagne un mois côté pour gagne une activité significative, n'importe qui le est capable de tremblement de terre. Donc ça veut dire si nous ouais pendant une période gagne un sursaut, période là pas veut dire rien. Mais ça pour nous constater c'est que gagne un regain d'activité et le plus souvent gagne des explications pour ça. Est-ce que c'est un gros tremblement de terre qui s'est passé dans une zone qui provoquait des séismes ou bien des répliques ou bien est-ce que c'est des séismes parce que qu'il y a avec simplement le fait que nous dans zone qui active sismiquement donc c'est ça. Est-ce que le Grand Sud est en train de se réveiller sismiquement? Non mais le Grand Sud réveille longtemps depuis après tremblement de terre 12 janvier 2010. C'est tout le Grand Sud là qui est affecté. Mais ensuite, ou bien 14 août 2021, ou pour l'autre magnitude 7 encore, supérieure à 7. Donc, le Grand Sud là révèle déjà. Mm-hmm. Parce que nous avons regardé, par exemple, dans le début d'année, en janvier, et le professeur Simit, tu as une semaine de 75 séismes qui étaient enregistrés dans le Grand Sud là. Est-ce que ça pas annoncé, est-ce que ça va le dire pour nous préparer, pour menace là, non? Pas forcément. Et c'est la nuance là, pas forcément. Ça qui arrivé, par exemple, il te dit que nous allons gagner un tremblement de terre 14 août 2021. Par exemple, il te dit ça après 2010. Par exemple, quelle donnée qui te montre nous que, eh bien, très rapidement, comme ça, nous allons gagner un tremblement de terre. Mais nous te toujours connaît que, eh bien, il y a des sections
sous Fayon Kiyoa, qui vient beaucoup plus dangereuse. Mm-hmm. Section ça a été dans l'extrémité. Donc, ça a dit, zone grandesse là, c'est particulièrement dangereuse. Mais maintenant, est-ce que ça veut dire très rapidement pour le gros tremblement de terre? Non. Ça seulement dit nous que faut que nous restions veillatifs. Faut que nous pas essayer rentrer dans des logiques pour nous prédire tremblement de terre. La science pour qu'on a fait, donc ça veut dire c'est pas nous même, c'est pas un simple individu qui prend l'anicrété, l'angade et bien ok, moi ça a commencé à gagner quelques petits secours et puis de là à conclure que pour algon goûter dans le terre, sinon la science t'a comprendre ça déjà. Mm-hmm. Non, c'est pas aussi facile. Alors, il était veillatif et par rapport aux menaces que peut-être nous pas prêts pour lui, hein? Oui. En fait, c'est était veillatif là, je voulais dire que bah, il était au moyen pour capable à n'importe le que un phénomène ça a manifesté et bien ou même pour sauver la vie ou pour sauver la vie petit tout pour sauver la vie famille ou, et de façon générale pour aider communauté ou, pour catastrophe ça impacter le moins que possible. Donc faut que nous non seulement organiser nous au niveau familial mais au niveau local tout a dit dans zone là faut association jeune yo dit tête yo et bien si gon crise c'est qui ça nous va faire. Mm-hmm. Par exemple là aux États-Unis gagné dans New York yo sorti à cause de problème guerre qui gagne yo sorti de information pour dire mon yo si tu as gagne une guerre nucléaire mais comment pour réagir. Donc ça dit nous même nous pas gagne des menaces nucléaires sur tête nous mais nous gagne des menaces en permanence tremblement de terre cyclone. Donc ça dit si gagne une association jeune dans quartier faut dans cas côté pour aller gagner des problèmes comme ça faut que on comment on va réagir faut que gagne un dépôt qui gagne des piquois qui gagne des pelles etc. pour aller porter qui gagne des trousses de secourisme OK pour aller porter des monde et secours dans cas côté monde qui a blessé faut l'hôpital qui dans ville faut li capable et pour parler en discussion avec association jeune ça autour pour si vinn gagner des crises comme ça pour association ça reconnaît comment on va aider l'hôpital à accueillir monde qui parle blessé ça. Donc c'est en société ou pas arrêter ou vivre au jour le jour faut qu'on réfléchisse à chaque fois si gon malheur arrive comment on réagir et c'est seule façon capable diminuer impact risque naturel sur société. Oui là c'est clair, diriger c'est prévoir. Exactement. Mais pour prévoir il faut savoir. Exactement. Donc c'est ça que fait nous-mêmes et des jeunes nous offrir société à ça. Nous dit nous allons étudier après 2010 et puis nous retourner dans le pays, hein, nous mettez nous à service communautaire et puis moi là pour faire partie par nous qui c'est recherche, elle dit connaissance savoir. Donc nous chaque jour nous avons essayé d'améliorer mais après ça nous pas arrêter dans ça seulement. C'est pas parce que mine là chaque jour et chaque leg dans le détail et puis me dit mais qui côté dans le détail a été fait et quelque part et ça pas servir à rien si au niveau local au niveau décisionnel pas gagner des bagages qui fait faut que nous veillatif mais faut que nous a réfléchir comment nous allons réagir avant pendant et après un gros événement comme ça qui c'est un tremblement de terre qui a frappé n'importe quel côté dans le pays. Comme c'est le Grand Sud là qui intéresse nous matin professeur Simit. Mm-hmm. Avec ces secousses ça de temps en temps terre qui a tremblé dans le Grand Sud là, est-ce que il y a pas lieu d'être inquiet? Moi je vous question ça déjà Sergio. Faut que nous être veillatif, inquiet même pas envie dire nous faut inquiet. Sinon nous on va inquiet chaque jour dans la vie parce que à n'importe moment chaque jour capable bien pendant nous chita n'a parlé là capable bien n'importe gros tremblement qui frappe n'importe qui côté sous territoire. Donc nous pas pas dire tête nous ça doit empêcher nous dormir non. Mm-hmm. Nous doit dormir mais pendant n'a dormir faut nous dire nous et bien si tremblement de terre ça passé à 10h du soir comment avec qui facilité n'a capable gitan réunir famille dehors dans la cour. Et l'elle fin rive tout, nous connaît pas les répliques, ça dit nous apprenons le sac passé déjà. Faut que chaque monde gagne des ressources qui vous permettent de construire un petit abri provisoire rapide dans la cour
pour abriter famille pour nous obliger retenir ces ONG qui pral porter tant de banou ou bien ces organisations internationales qui pral dépêcher bateau pour venir porter soin banou. Donc c'est vers là pour nous aller, c'est pas inquiéter pour nous inquiéter nous, c'est préparer pour nous préparer. Préparez-nous parce que bon, j'ai envoyé ça pour petit remède, c'est pas une fatalité. Ben, est-ce que nous préparons ou ben, est-ce que nous avons préparé pour nous faire face à tout ça, ça capoter? Il est clair que nous pas préparé. Parce que ça m'a dit là, c'est des bagailles qui pas existé vraiment dans la société haïtienne. Donc, soit aller ou discuter avec n'importe qui famille ou demander est-ce que vous avez un pic à la caillou, ben non, nous n'avons pas gagné. Donc ça existe, le tremblement était arrivé, c'est le ça, moun n'a pas dit bien besoin masse pour ma pour mal péter mu ça, gien un moun qui en bas des comme là comment m'a fait pour nous obliger retenir que c'est mairie qui pour réorganiser. Mais ça pour nous comprendre c'est que moun qui a travaillé dans mairie eux-mêmes, ils affecté tout pendant le terrain. Donc ça existe, c'est toute structure nationale là qui peut prendre frappe là ça, et bien faut nous assez imaginatif pour nous capable remettre de l'autre structure sous pied bien rapide qui pour permettre que nous porter aide by tête nous encore. Ça c'est une réflexion qui pour faire dans tous les niveaux, faut qu'il fait en babadji, faut qu'il fait dans l'église yo. Donc faut que nous pas chita jeûner seulement, faut que de temps en temps nous a réfléchir, faut que pasteur al gagne un plan pour porter aide à fidèle yo si contre en l'été. Le clair, faut que directeur l'école là connaît comment bien rapidement, si on a l'été, même si structure l'école n'est pas endommagée, mais il faut continuer à faire l'école. Donc, il faut qu'il y ait des structures légères qu'il est capable de construire bien rapidement sur un terrain qui peut être disponible pour être capable de continuer à fonctionner. Nous ne sommes pas capables d'arrêter chaque temps qu'on a l'été, et bien pour nous perdre 2-3 mois à l'école. C'est puisque c'est mon nouer, nous avons le cerveau, il faut que nous apprenions de sacrifier nous. Moins de 12 ans, nous prenons deux gouttes de terre, eh bien, qui ça nous fait? Qui ça nous a? Si on troisième, comment nous avons réagi? C'est question ça. Oui, donc nous avons dit ça, oui. Si on troisième, est-ce que ben, là, nous puissions parler par rapport à 2010, par rapport à 2021? Quand il y a là, moins de ça, l'État a dû montrer que nous pas parler, parce que le conseil ça, on m'a dit là, c'est des rappels qui ont été loués, même pas penser que la population, en tout cas, nous pas elle, que essayer d'organiser dans niveau ça. Mais faut préparation, c'est jusque-là, il faut aller. Mais pour l'instant, ça n'a pas fait. Par rapport à la visite que nous faisons généralement dans le Sud, quand il était tombé, quand il était pour un gros frappe, il reconstruit sous base. Principe qui pour empêcher si tu as tremblé une fois encore pour pas un problème. Non, encore là ça c'est pas ça pas rentré dans l'attribution comme chercheur. Pas mais, observation qu'on fait peut-être dans le sud de la souvent là. Observation donc même plus ouais que Mounio a continué construit façon que est capable. Parce que pas oublier pour construire, il demande non seulement savoir-faire mais il demande tout moyens économiques. Mounio, qui ça a constaté, c'est que Mounio a vint plus pauvre de jour en jour, puisque Mounio vint plus pauvre. Donc, ça veut dire longtemps, si on monte qu'on prend 5-6 ans pour construire une pièce caille, eh bien, Mounio va prendre plus de temps toujours. Donc, Mounio vient nous retrouver bien rapidement avec un dilemme. Est-ce que faut li reconstruire rapidement, mettons 3 sous tête de famille, ou sinon, est-ce que la prêter avec des en bas des tentes? OK, et bien rapidement mon a fait choix lui pas retenir que c'est l'État haïtien qui vient dire mais comment pour bien construire, et bien mon a fait ça le café. Donc là absence autorité l'État, absence présence l'État même, absence l'État même, et bien fait que mon yo décider de par eux-mêmes. Donc yo a reconstruit même gens encore. Allez dans grand sud, je dis a fait problème puisque entre sud capitale là puisse passer un an après, a toujours été très difficile pour nous passer. Ou pas qu'à passer, je voulais l'en voulait. Et monsieur, dame, bandit, vous continuez à contrôler la situation, malheureusement. Hein? Comment gérer le passage pour nous dans le Grand Sud, pour nous faire recherche? Mon cher, c'est son casse-tête chinois. Et pour nous aller dans le Sud, en tout cas, pour nous faire mission recherche, ça, c'est presque une mission suicide, nous avons dit ça. Matisse Mbassé?
Parce que, bon, même ça fait longtemps que je n'ai pas passé Ventis. C'est plus qu'on passe Taraz. Mais maintenant, après la situation passé Taraz, là, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'aller par avion, parce que nous avons des matériels lourds que nous avons portés. Donc, porter un petit avion qui fait circuit local, nous ne pensons pas que c'est intéressant. Donc, du coup, c'est son gros problème, ça a handicapé l'activité nous. Bon, nous essayons tant bien que mal faire des missions bien rapides ou bien au hasard. Comme ça, l'un senti nous courir passer, mais après, la situation est difficile. Par exemple, même dans la faculté, hein, nous n'avons pas fonctionner. Donc, sans doute, nous comptons ça déjà. La faculté des sciences obligée fermée à cause de balles perdues qui a tombé dans la cour. Nous avons pendant deux fois, il y a un étudiant qui touché par balle perdue, il y a un qui était touché dans le bras, et puis il y a un qui était touché beaucoup dernièrement. Donc finalement, dirigeant faculté obligé de prendre décision, fermer faculté. Hein. Donc tout ça, c'est pour dire que l'activité nous vraiment handicapée. Donc ça a affecté nous, même gens, l'a affecté tout l'autre domaine dans le pays. Est-ce que la solution, c'est fermer faculté hein? Solution, c'est pas fermer faculté à définitivement, mais pas parce que c'est ça que dirigeant a eu dans la tête, mais c'est pousser les gens qui soit disant diriger nous, parce que nous sommes obligés de soit disant diriger, parce que pas gagné cap diriger là, bandi au plus à diriger nous que responsable, parce que le bandi a dit il y a fermé on sait qui, il arrive fermé vraiment, ok. Donc, finalement, ça a dit, il y a nos directives. Donc, c'est eux-mêmes qui dirigent vraiment. Donc, les gens qui ont soi-disant dirigé, pour nous forcer, ils disent, hey, il faut que vous jouiez au lieu. Donc, c'est ça, fermeture, en tout cas, pour un petit bout de temps, faculté à Vlédi. Mais après ça, ce n'est pas seulement question insécurité qui affecte nous, mais une question gasoline dans tout. Parce que pour aller souterrain, et pour passer de ville en ville pour checker son équipement, eh bien, il m'a dit en quantité de gasoline pour bouler gasoline. Parce que c'est nos machines où aller. Des fois, aller avec plusieurs machines. Et pour jouer le gaz, c'est un cassette chinois. C'est relé obligé après nos amis. Est-ce qu'on a dans la zone là, qui est-ce qu'on a contacté, etc. Ou sinon, obligé à acheter gasoline. Ou t'es grand budget pour acheter gasoline. Dans pompe, $50. À $50. Eh bien, ou river, ou juste. Et dans nos pays, et vous entendez, il y a pour fou gasoline à 1000 gouttes, 1250 gouttes. Donc là, ça, vous gagnez des budgets qui explosent énormément. Et le plus souvent, comment on va justifier ça à barrière de fonds, c'est on son autre casse-tête encore. Donc, toute situation, ça a impacté gravement l'activité de recherche, activité éducative, clairement. Ça t'avait dit là, et nous camper sous recherche, nous t'avons fait. Là, nous pas camper parce que gagner des appareils qui ont même connecté à Internet. L'autre appareil, par exemple, nous installer, même qui n'est pas connecté à Internet, nous sommes supposés aller. Parce que si vous n'êtes pas connecté à Internet, ou par contre, ou pas sûr qu'à un certain moment, vous n'êtes pas camper fonctionner. Donc, c'est ça que fait de temps en temps, peut-être chaque mois, nous sommes supposés aller visiter. Pour non seulement prendre données qui sont en pendant moi, mais vérifier, faire maintenance. Mais il se trouve que si nous ne pouvons pas déplacer, comme ça, nous sommes obligés de prendre chance, nous quitter, fonctionner jusqu'à deux mois et demi, donc jusqu'à ce que nous venions trou, nous courir passer. Donc nous pas fait bien, nous toujours actifs, mais malement, à l'image du pays. Il y a observation, nous ne pouvons pas faire. Oui, en tout cas, ça. Affecter en pile productivité nous. Question gaz et insécurité. Ah oui, tout notre problème encore. Après ça, le fait que la vie chère à tout. La vie chère, parce que les gens qui travaillent dans l'équipe là tout, eux-mêmes, il faut qu'ils prennent soin de la famille, etc. Donc le gaz a monté. Comme vous utilisez pour le faire mission, il n'y a pas comme question de poche, c'est comme question de poche l'État haïtien. L'État haïtien. Ah bon, oui. Non, mais ça me fait doucement rire. L'État haïtien n'a pas financé la recherche. Oh. Non. Le rectorat a gagné des activités, gagné des
partie dans le budget que li alloué à recherche, mais c'est des bagailles. C'est des bagailles meg, c'est maximum 1 million de gouttes par chercheur. Ils ont sauf fait là. Il va permettre que l'État comprenne la réalité pour qu'il agit. Parce que pour l'autorité, il agit, il faut qu'il y ait données. Et c'est sous base de données pour être capable de faire des décisions, élaborer des politiques publiques et puis avancer. Non, mais ça m'a dit là, montrer clairement que l'autorité n'est pas intéressée à prendre une bonne décision. Décision qu'on est voulu prendre, yo qu'on est déjà, yo pas besoin de données pour prendre. Si besoin prendre bonne décision, eh bien les gens besoin connaissance. Mais si décision c'est des décisions qui peuvent affecter intérêt, les gens qu'on est intérêt, qu'on est, ouais besoin monde vient après nous qui ça qui intérêt. Donc penser le fait que yo pas société à lui-même en général, mais dirigeant beaucoup plus, yo pas investi dans recherche, c'est parce que prend bonne décision pas intéressé. Quand est-ce qu'on peut faire Michel? Quand est-ce qu'on peut installer parce, à parce que nous gagnons des financements de bailleurs étrangers, OK, qui eux même qui intéressé parce que c'est pas seulement l'État donner ça, la science pas gain frontières. Mm-hmm. Donc gagne des bailleurs qui eux même intéressé à promouvoir connaissance, à chercher connaissance ça. Il se trouve que si on a l'air d'être à Haïti, on va dire son chance, mais son possibilité pour bailleur ça jouer à améliorer connaissance scientifique là, eh bien yo offrir des cob à des monde qui prêt à faire recherche ça. Eh bien le ça obligé écrire des projets, soumettre yo à bailleur ça même qui analyser, qui ouais bien fondé chercheurs qui a aidé l'autre chercheur analyser questions scientifiques ou à l'investiguer et puis de là ils ont certaines confiances qui est établie et puis ouais capacité tout travail qu'on fait déjà études qu'on fait et bien ils sont capables d'allouer des sommes pour capable faire recherche ça. Donc c'est recherche nous beaucoup plus financé dans ce sens ça. Nous gain des financements qui viennent de par exemple IRD nous gagnons en coopération belge tout qui ben nous des financements donc c'est des bagages comme ça. Alors recherche ça nous faire pour bureau des mines de vos facultés des sciences. Non, UAGO c'est un groupe de recherche dans la faculté des sciences. Mm-hmm. Et là il se trouve que UAGO gagne un bureau qui logé dans le local bureau des mines. Mm-hmm. OK, mais c'est l'université de l'État qui a fait. OK, parfait. Maintenant, mais en fait l'université n'a pas gagné suffisamment pour le financer par ça. Ah, mais l'université n'a pas même gagné quoi pour payer les professeurs. Parce que il y a des bailles qui payent aux gens que faire recherche. Ça a eu gens quand même. T'as important. Non, nous avons toutes les gens. Toutes les bagailles gens, presque. Mais pour l'université, il y a le choix entre est-ce qu'il y a continué dans l'éducation? Ça dit payer professeur pour venir faire cours mettez banc pour étudiants ont besoin de l'eau etc. un local bon, nous faisons un local qui construit là et nous rentrer là dedans côté nous non location avant OK qui était coûté bien cher et bien qu'on y a mais nous pas arrêter dans local qui pour nous à cause bandi donc ça veut dire est-ce que si on corps il va la louer là la recherche ou bien est-ce que il va faire des il va louer beaucoup plus à éducation. Donc c'est des décisions qui pas facile. OK, mais faut société a c'est pas seulement dirigeant yo mais acteurs privés tout si on intéressé à prendre des bonnes décisions tout à pousser société à aller vers l'avant faut qu'ils même tout yo organiser yo pour investir dans recherche. Mm-hmm. Malheureusement et beaucoup gain trop c'est même comportement ni l'État haïtien ni secteur privé a ça pas intéressé pour investir dans société. Et donner ça pour permettre que nous mieux comprenne à qui risque nous exposer, qui ça nous besoin faire, par nous capable de mieux construire, un bon bâtiment solide. Par exemple, à l'EA, moi je souhaite parler de code d'aléa sismique, mm-hmm. Qui c'est un indicateur qui permet que professionnels de la construction jouent des paramètres pour être capable de construire plus bien. Mm-hmm. Eh bien,
Ça tout c'est un paramètre que par exemple monde qui dans secteur financier yo yo capable utiliser pour allouer des crédits. Par exemple si un monde li pral li besoin crédit pour li faire un business ou bien pour le fond building dans zone, eh bien si agent financier ça li a regardé pour voir sous carte d'aléa sismique là pour voir est-ce que zone ça son zone que yo dit eh bien côté secours yo pas trop. OK, eh bien ça permet que li connaît qui marge de crédit pour li bail moun sa qu'va faire demande crédit. Donc c'est des informations que non c'est pas seulement moun k'ap construire besoin mais différents acteurs dans société a besoin pour fonctionner. Ouais, alors là malheureusement beaucoup trop comprendre l'importance de démarche ça yo. On souhaite peut-être un jour k'ap venir gagne mesure k'ap prendre ou bien acteurs yo dans société civile capable et prendre décision qui a accompagné ou soit encouragé l'équipe géosciences faculté de SES là et faire rechercher. Nous avons une mission perspective, nous jouons à Binaïo et l'année après Perspective là, c'est à. Là, nous plus dans une période côté. Puisque nous avons un master en géosciences là, nous avons des étudiants qui ont parti qui peuvent faire des stages de laboratoire. Et puis après ça, nous gagnons à cause de publications que nous gagnons, parce que l'on fait recherche, c'est ça, c'est à le souterrain. Et puis l'on saute souterrain, c'est entrer dans le laboratoire et faire analyse, produire recherche, écrire des documents, qui sont des articles scientifiques. Donc nous gagnons plusieurs publications qui en cours. Donc après ça, c'est aller dans des conférences, aller présenter résultats à eux devant l'autre chercheur qui est dans le même domaine là pour discuter ensemble avec eux. Donc c'est presque dans la période ça nous est là. Donc il y a plusieurs de nous qui pourra aller dans différentes conférences qui a fait dans soit en Amérique latine ou bien aux États-Unis pour présenter recherche à eux. OK, comment tu as dit matin là? Bon, j'ai pas la compliqué sécurité qui t'a ping la richesse, il n'a pas de tremblement de terre. Il a parlé de séisme. Tu as répondu à ce que tu dis. Dabdi Mounio, tremblement de terre, kidnapping, capable de tuer 10-20 personnes par jour. OK? Insécurité, presque même gens. Mais si on tremblement de terre passé là, pas oublier, 2010, c'était une centaine de milliers de monde. Nous avons ramassé. Tu as parlé de 300 000 morts. Ouais, tu as parlé de 300 000 morts dans une seule minute là. OK? Donc ça veut dire c'est vrai nous avons tout problème. Il y a des autres pays qui ont gros problème tout. Ukraine qui a gros problème. Mais pour l'instant dans Donbassa, il y a l'école qui est en recommence à fonctionner. Donc c'est parce que bon, c'est vrai, c'est des problèmes graves qui méritaient pour société à camper pour couper. OK, pas de question sur ça. Mais ça pas doué empêcher que nous faire des autres bagages qui est important tout. Donc continuer faire recherche là, c'est un bagage qui est important. Il n'est pas obligé de tant que nous résoudre tous les problèmes dans le pays pour nous faire li. Donc, il faut que nous allions là. Oui, en plus que Tremblement de terre n'a pas pris de nous. Non. Et il m'a rendu la privée. Tremblement de terre n'a pas jamais dit, pour qu'on y a là, il y a un problème de gaz en Haïti, eh bien, il va frapper en Haïti. Non, n'importe qui est, Tremblement de terre a frappé. Qui a gaz, qui a gaz, qui a kidnapping, qui a kidnapping. Ça veut dire, pendant que le problème nous est là, il faut toujours songer, nous sommes en terre tremblée. À n'importe quel moment, ben là, qu'a passé, et là, on a besoin quand même préparer nous, préparer l'esprit nous, mais tout préparer bâtiment nous, parce que au fait, c'est pas forcément tremblement de terre tout et nous, c'est jeunes construits qui mettent notre. C'est nous-mêmes, justement qui organisons propre vulnérabilité nous, parce que si on tremble de terre magnitude 9 passé dans zone désertique, côté pas gagne monde qui vivent, pas gagne bête, eh bien pas gagne qu'une pète qui a fait, mais l'elle passé non bidonville. Même si c'est en magnitude 6, eh bien, au cap, c'est à Bakoulodeur, vin de Térémoun, parce que, eh bien, façon occuper sol, la façon occuper territoire, la est très mauvaise, ça vient faire que vous vin plus vulnérable par rapport à risque naturel. Ça. Yon l'année après, mon grand studio qui a suivi la docteur Simité, vous avez spécial ou quoi t'as dit yo? M'a dit moun yo, ben continuer être vigilant, continuer apprendre, en tout cas organiser pour gagner des gestes simples qui permettent que si gagner des activités sismiques qui plus important qui pour permettre de protéger la vie, protéger la vie familiale, pas étonne que c'est l'État haïtien qui pour venir dire qui ça pour faire. C'est vrai, si on construit,
essayer ba tête yo pi bon moyen, OK, dans le sens que chercher des techniciens, chercher des ingénieurs qui yo même konn sa faire pour construire pour yo, pas construire n'importe qui gens. Pas construire n'importe qui gens parce que et construction là mal faite, c'est nous qui payons les conséquences. Comme nous on a dit il va y cob. Il n'a pas un cob là et puis c'est ton construit. Justement, donc ça dit c'est vrai que pendant qu'on va le construire, mettre dans poche ou en le pas être anti jandu, mais après le grand temps là de passer pour essayer seulement carou à camper, et bien on dit tout tu gain de quoi pour me faire investissement ça. Okay. Mais là, il n'y a pas de monde, non forcément, Dr. Simi. C'est l'autorité. C'est le monde qui est dans l'État qui vous dit non, bon, j'en peux pas à la fête. Non, ça, nous sommes sûrs de ça. Si nous avons des dirigeants sérieux, nous avons gagné des moyens qui permettent que nous facilitions nos tâches. Non seulement nous avons gagné des mesures de coercition qui pour empêcher que des gens fassent des dérives, mais nous avons gagné de mesures qui pour faciliter au monde construit et pour construire bien. Ça c'est signe de gain dirigeant, mais maintenant est-ce qu'on a prétendre qu'on gain bon dirigeant pour nous protéger tête nous pas capable dit population ça non plus. Donc population faut li façon qu'elle capable organiser pour protéger tête li tout. Parce que ou pas construire pays sous base bonne foi citoyen. Ah ben non, ben non. Conscience monde. Ben non, ça message ça son cri de désespoir. Ouais. Son cri de désespoir, c'est pas ça m'a supposé a dit. Ouais. OK, mais le fait Nous, dans nos situations, il est clair que les dirigeants ne sont pas responsables en rien. Donc, du coup, nous ne sommes pas capables de demander au monde, mais même pas prétendre que l'État haïtien dit mais comment pour faire? Ok? Nous connaissons pour l'instant la matière sans pas bon. Quitte l'État haïtien te dit passer, quitte l'État dit passer, je ne vais pas le passer. Donc, c'est même genre, pour moi-même, c'est un fait. Irresponsabilité dirigeant, l'éclair d'évangile. Mm-hmm. Et maintenant, au niveau individuel, gain des bagailles, ma PC est fait, plus ou moins. Mais normalement, j'en dis, hein, ce n'est pas comme ça que tu as supposé. L'État haïtien t'a supposé actif dans la façon que la protéger la vie citoyenne. Définitivement. Eh bien, professeur Simit, nous sommes contents. Et fait ce qui avec vous matin. Et on l'année après tremblement de terre 14 août 2021. En plus, la famille était touchée, en plus, l'infrastructure était endommagée. Maintenant, c'est qui ça l'a fait pour n'importe qui l'a tremblé, parce que le cas tremblé, n'importe qui l'a, pour gagner moins de dégâts, ou soit pour limiter les dégâts. Et moi, c'est ça le message pour ce Simitlan. Capable toujours de gagner un tremblement de terre, après le gain. D'ailleurs, nous traversons par des failles, et failles actives. Les jeunes se trouvent le matin avec professeur Simit. Mais ça, nous devons faire nous-mêmes, c'est faire préparation, nous construisons l'autre gens, nous connaissons qui ça geste sur ta douée, si tu as tremblé. Et même si quelqu'un cap suivre matin que t'as dit ah c'est vrai que fan qu'on dit j'espère faire mais est-ce que quand nous solide assez pour nous capable à le mettre dans bas pas nos cas et nous sûr que nous pas tomber sur nous pas capable escalier etc. Donc quelqu'un cap poser question ça tout est-ce que Jean nous construit à permettre que geste au monde qui au Japon fait c'est juste ça au monde qu'en Haïti qu'a fait. Ça, c'est une belle question, très belle question. Non, malheureusement, gestion mon au Japon, quand ils ont construit, et pas oublier que le peuple Sahel a gagné longtemps que eux-mêmes ont étudié le problème, ils ont fait face à ce problème plus souvent, donc ils ont connu qu'ils ont résolu. En tout cas, il faut qu'ils ont agi sur lui, ils ont agi sur lui très bien, donc côté construction, il n'y a pas fini trop de problèmes pour eux. Okay? Donc, on geste. Bien simple, par exemple, un Japonais est capable de connaître que, eh bien, non seulement la cali solide, mais la table est solide tout. Donc, si il est dans le terre, pour protéger la tête, pour l'ampoule, pas tomber, etc., il est entré en bas en table. OK? Mais ou même qui c'est haïtien, ou non caille, pas où tu es construit, même là où tu es construit, Boston, il fait salve. Donc, ou pas qu'il y a confiance dans la qui construit. Hein? Encore moins. Dans la table, ou par contre, qui capacité de la table pour si un bloc qui tombe sous lui, etc. Donc, et si la tombe sous table, table crasée, donc nous, ça, dans différents endroits de l'intérieur, côté nous, plusieurs étages, d'aller faire sandwich. Donc, par exemple, quelle façon pour un monde, nous, dit, nous, en bas, une table, ou bien en bas, n'importe quelle structure là, pour t'a sauver dans la condition ça. Donc, une seule solution, c'est sortir dans le building ça, ou bien dans le cas ça. Donc, dire que
ou pral garder façon que japonais a, ou bien n'importe qui l'autre monde qui a vivre dans pays développé li réagit pour réagir même genre c'est pas vrai li pas conseillé li même conseil m'ta plus bail c'est si l'homme on va rentrer dans building ou bien dans caille quel que soit lié eh bien premier réflexe c'est garder pour côté ou courir sortir si commencer gêter dans le terre parce que les gens secours il y a premier onde qui vient onde pays qui vient il n'a pas fait gros dégâts il vient bien rapide c'est lui vient avant donc une fois onde pays arrivé ou qu'on a gagné 2 3 secondes pour gitan dégager pour pouvoir retirer corps donc c'est sorti plus vitement possible en bas dal côté et puis à essayer météo dans zone côté ou pas gagné des pylônes électriques qui ca tomber sous ou pas gagné des murs clôture qui ca tomber sous etc. ou bien des cailles qui capable de tomber pour arriver sous donc je pense que c'est ça qui meilleure solution mais après ça sous non en don caille ou pas capable sortir ou qu'on ou sans ou pas gitan sortir eh bien l'état mieux si vous place dans zone côté eh bien proto yoyé dans zone côté proto rencontrer avec poutio donc le salium si cala pas craser net ou a bien chance peut-être capable blesser mais au moins dans zone ça c'est côté équipe plus solide dans cala donc me penser c'est conseil ça homme capable proto zone qui plus solide bah. si cala bien construit c'est pas si bien construit non si bien construit tu as supposé rester pas craser tant que mon sorti la donne OK donc même s'il pas bien c'est sous pas qu'à sortir OK sous pas qu'à sortir et bien arrête camper dans coin ça parce que coin ça c'est eux qui réputé plus solide mais si eux même yo pas solide du tout bon c'est pas faute moi tout professeur Steve Simit qui c'est un responsable programme master géosciences à faculté des sciences c'est avec l'une tabat bouche dans mise au point jeudi à yon l'année après 14 d'août 2021 tremblement de 7.2 nous sommes j'étais frappé grand sud pays à département sud département NIP ak département Grand-Anse. Professeur, merci en pile. Et nous souhaitons faire que de la science pour l'ouvrir avant longtemps. Nous souhaitons ça tout, Serginho. Nous approchons sous cas, il y a une pile réunion qui a fait dans ce sens ça, pour nous connaître qui ça a fait, comment nous sommes capables de faire. Il y a des cours qui continuent, il y a des professeurs qui ont une capacité pour faire cours en ligne, parce que quand c'était étudié, il y a des cours pas trop petit et pas trop gros. Et après ça, il y a des autres qui ne peuvent pas faire. Donc, on a penché sur ça. Je profite tout pour dire merci pour être de recevoir là. C'est toujours un plaisir pour moi, ça m'avoir, pour nous faire un petit bas de bouche sur cause de ça, qui est très important pour nous, qui s'est tourné en retail. Très important. Avant d'aller voir les amis qui ont suivi là, et puis qui font un rappel là, et nous avons fait échange sur l'école de génie. Et puis, quand ils ah, une main est toujours dérangée, on est passé devant l'école de génie. Et puis, quand il y a des cours à faire là, quand il y a mal construit. Mais son cas qui peut-être a un problème, parle. Et puis, il dit, mais ça, c'est bizarre pour se former des ingénieurs. Peut-être que c'est ça qu'il y a fait, commencer à faire stage. N'est-ce pas ça? Oui, ça a montré dans quel niveau de désorganisation société a été. Mm-hmm. Bon, mais après, faire étudier ou faire stage, quand il a construit déjà. Donc, stage, c'était de construction pour faire stage là pour le ben, un professeur, dans ce sens-là, un professeur qui a fait un cours pour des futurs ingénieurs, seul soit qu'à faire, c'est marcher avec eux et puis montrer eux la structure, des bagages pour eux parfaits. OK. Donc, c'est ça seulement. Voilà, professeur Steve Simit, pour mise au point jeudi, tout avec nous dans la matinée, la souhaite passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt.